Bonjour à tous les amis, encore une présentation aujourd'hui, mais présentation cette fois-ci de cette magnifique Sirocco. C'est encore un autre Jojo National. C'est une Sirocco 2 litres TDI 140 en stage 1 plus avec boîte DG6 en stage 2. Qu'est-ce que tu appelles stage 1 plus du coup? Bah, un peu plus poussé que le stage 1. Stage 1, tu sors 180, là, on a à peu près 200. Mm-hmm. Du stage 2, il nous reste des FAP. Filtre à air et puis on est en stage 2 quoi. D'accord, ok. Et GR off, tout ça. Ok. Dessus, il y a des combinés filetés. Voilà, on a peint les jantes d'origine en noir, rétro noir, covering sur le toit noir. On va regarder. Allez. Peinture des étriers. C'est vrai qu'elle est magnifique. Magnifique. Donc les anti-brouillards là. Les clignotants. Tâteau noir. Sigle noir. Plaque noire, forcément. Les feux à fond noir, c'est d'origine. Ouais. Donc on est bien d'accord que c'est une Golf 6 remaquillée, on va dire. Ouais, on va dire ça, ouais. C'est le même châssis, c'est tout pareil. Mm-hmm. L'intérieur est quasiment le même. Ouais, ils ont voulu renouveler la gamme et puis donner un coup de jeunesse. Les étriers en jaune fluo. Voilà. Repeint à quoi? Comment ça s'appelle? Le Foliatech. Foliatech exprès. Et puis ça tient bien? Ouais, ça tient très bien. C'est de la résine. Hein. D'accord. Donc les gens, tu les as repeints, c'est ça? Pistolet, ouais, la peinture exprès, carrosserie, noir brillant. On fait les vitres teintées, devant, derrière. Le devant, bien sûr, c'est interdit. On va le rappeler. C'est interdit, mais tu le fais quand même. Eh ben, bravo. Bravo. Un covering sur le toit, en noir. Noir brillant. Puis pareil, ça tient bien le covering. Ouais, ça tient bien. Tu l'as pris où ton covering? J'ai un pote qui pose ça du côté de chez nous. Ok. Ouais, c'est bombé ici, c'est vachement chouette. C'est pas la merde à faire, ouais. Vachement chouette quand même. L'antenne, c'est d'origine. Ouais. Ouais. C'est la GPS. Bon, bah, l'arrière, les feux, non, les feux arrière, tu les as pas teintés, hein. Ouais, juste les clignots, j'ai teinté. Voilà, normalement, c'est tout blanc. Clignot teinté. Un peu fumé, quoi. Logo noir, plaque noire. Diffuseur, il est d'origine, en brillant? Non, il est tout blanc normalement. Ah ouais, eh ben, ça fait bien aussi, franchement. Les deux petites sorties d'origine. Ah non, elle est vraiment chaude cette Sirocco. Ils ont fait ressortir la bavette ici. Je sais pas pourquoi, les éclats de cailloux peut-être. Pour le coffre, ouais, t'as supprimé les essuie-glaces arrière ou c'est d'origine? Ouais, supprimé. Ah, il y a quand même un petit peu de place. Hein. Quand même un petit peu de place. Magnifique. C'est quoi ça? Un compresseur de base ou une bombe anti-crevaison, non? Ouais, il y a un compresseur, mais je sais pas où il est. Ouais, c'est dans le coffre, mais il est pas. Ah, ils sont chiants avec leurs compresseurs. Rien de vaut une bonne vieille roue, une bonne vieille galette. Là, oh. Ah, mais j'ai même pas capté. Passer à l'intérieur. Intérieur, qu'est-ce que t'as fait? Bah, rien de spécial, hein. On a mis ça en noir brillant, c'était gris. Mm-hmm. Il y a le poste avec GPS, on a mis tout le son en focale. D'accord. Ah oui, il y a toutes les baguettes noir brillant et sinon il n'y a rien de spécial. Ah, hein. C'est une 4 places, je savais même pas. Ouais. C'est pas une 5 places. Les sièges arrière, ils sont magnifiques. Ouais, sinon, ça reste dans l'intérieur de Golf 6, quoi. De Golf 6. Golf 6, ça, c'est les premières. Donc, t'as le volant Golf 5 et puis compteur de Golf 5. Ouais. Sinon, tout le tableau de bord est de la Golf 6. Un beau petit volant. J'avais le même dans ma GTI. Le tableau de bord qu'on connaît tous. Rétroviseur monochrome. La boîte DSG. Pas de soucis avec la boîte? Non, pas de soucis. Aucun souci. Okay. Magnifique. En plus, c'est des bonnes boîtes. Moi, j'adore les DG. Enfin, des bonnes boîtes. Quand c'est pas en panne, quoi. Ouais. Pareil, ça, ils te laissent en plastique. Ça me fait penser à une Vitel, ça. Ah, un peu, ouais, c'est vrai. Oh, sinon, l'intérieur. Ça reste à l'intérieur. Ah, c'est basique. Hein. Ouais, basique de Volkswagen, quoi. Une Golf. Allez, on passe au moteur. Hop là.
Le magnifique Delite TDI-140 que tout le monde aime. C'est ça, avec le problème de culasse. Oh, Seigneur Jésus. La culasse a été faite. Volkswagen, ouais. Volkswagen, il y a 100 000 km. Ça a dû coûter un billet, hein. Ouais, il me semble qu'il y a une belle facture. Ouais. On n'est pas loin des 2000. Ouais. Oh, déjà, on voit ça. C'est tout neuf. EGR, ouais. Maladie récurrente. On va la supprimer électroniquement, de toute façon. Ouais. Sinon, t'as fait quoi d'autre comme gros frais dessus, on va dire? J'ai rien fait dessus, en vrai. À part la reprogrammation, on a changé la batterie, enfin les vidanges, machin. Ouais. Les amortisseurs, les jantes, deux, trois petites modifs comme ça, j'ai pas fait de gros frais dessus. Mmh. Non, ça reste un des TDI. Ouais. Non, bah il reste propre pour le kilométrage, non? Ouais, ouais. 265 000, c'est ça? Un peu moins de 260 000. Ouais. Il est propre, hein? Il est propre. Allez, c'est parti, on va faire l'essai de cette Ciroc de 200 chevaux, voir ce que ça dit. Par contre, avec les combinés, là, bah, qu'est-ce qu'il y a les tape-cul? Ah oui, regarde. Même la caméra, j'arrive pas à la stabiliser, d'où Jésus. Oh là 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 là! Tu veux lui mettre le diable? Bah, pourquoi pas, écoute. Ah, mais lui, allez, c'est parti. Ça pousse quand même, hein. Voilà. De merde. Par contre, effectivement, on n'arrive pas à tape cul, on n'arrive pas à stabiliser. Hein. Allez, Jojo, pied dedans. Allez. Hein? Ah, oh, tout de suite. Oh Jésus, ça marche quand même. Tu peux la mettre là. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça donne des sensations. Bah oui. Dans un manège. Écoutez, c'est confortable, de l'autre, c'est que tape cul. Mais ça marche quand même, puis ça marche quand même bien. Donc, en fait, ça a un peu tout, la Ciroc. La Ciroc. Un essai bien sympathique. Tu te sens plus en sécurité dans celle-là ou dans la VM? C'est pas pareil, plus dans celle-là. Ah, c'est différent, hein. Mais elle marche bien, hein. 200 chevaux. En fait, t'as tout. Il y a le confort, il y a. D'un côté, elle est tape-cul quand même, mais elle marche super bien. Ça marche super bien. Après, c'est autre chose. Mais... Et tu m'as dit qu'elle était en vente, c'est ça? Ouais, elle est en vente au prix de 7000 à débattre. Après, c'est la seule dans cette config. Posée par terre avec. Voilà. 7000, ils vont tous se dire ouais, t'es trop cher, non, non, non. Après, elle est dans cette configuration, puis elle est propre quand même. Mmh. Ouais, c'est vrai que tout au-dessus du marché, mais par contre, elle est vraiment méga propre. Après, ça a débattre, ça a discuté. Et puis, l'avantage, c'est qu'il n'y a rien à faire, puisque lui, le connaissant, il fait tout avant que ça pète déjà. Voilà, c'est ça. Lui, le moteur, c'est limite s'il ne le changerait pas à 100 000 km. Presque. Donc, c'est entretenu à l'os. C'est ça. Donc, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à notre Jojo National d'avoir présenté sa caisse. De rien. Bah de rien. Et je vous dis à très vite. Ciao. Ciao.